Bagala compliqué, oui, madame, monsieur, vous sénateur Guy Philippe dans le CBJ. De faire émission hier, je vais tout détail. Qui est monsieur Tatri? Qui s'est passé? Eh bien, je dis là, après un gros axe pour le poser dans le cadre de dossier Guy Philippe, ça, je garantis pour le faire en pile qui est sauté. Pour dire que vous avez un gros erreur fait là, je souhaite que si Guy Philippe a fini passer 6 ans en prison aux États-Unis, je suis campé avec sagesse les propres prisons pour ne pas rentrer dans ce qui est arrivé. Et je souhaite que le CPJ tout, il fait normalement ce que le droit m'a dit, ou bien ce que il doit faire avec justice. Si monsieur il y a une charge qui contre lui, mettez-le au public parce que le public est capable comme une persécution politique. Si pas rien tout, libérez monsieur. Moi, je viens avec un pile d'informations pour vous. Mais sincèrement, je vous dis là, bon action pour le poser. Gros bouton de action pour le poser dans l'affaire arrestation qui finit plein. Je viens avec détail ça. La société, nous exactement la peignée. Tenez bien, oui? Qu'est-ce qui a passé dans la peignée à l'heure actuelle? Il y a plusieurs petits bandits qui trouvaient dans une situation extrêmement difficile que M. Sayo n'a pas vraiment jamais qu'à faire l'autre bagaille qui est gang. Et réseau qui fait un gouméen, c'est des réseaux qui sont capables de boire en pile tête fait mal. Bataille a continué entre 400 Marozo et Krasé Barrière, pour ne pas dire entre Vite l'homme et l'homme sans jour. Ce n'est pas des mots pas gagnés. Nous avons une vidéo côté moyo empilé, un petit pilier. Ce n'est pas des gens qui ne mourent pas, c'est ça qui fait que je suis content. C'est parce que tout ça qui mourit, c'est bon grain. Et selon l'information, je suis sorti dans la base Vite l'homme. Je suis venu, je suis venu. Et l'autre bord, mesdames, mademoiselles et messieurs, la police dans le sud, accompagnée avec agent bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS et la DCPJ, en détachement dans le département, finalement procédé à l'arrestation, la guerre, Loudi et Jean-Harry. Et tous les deux, Mounsayo, la police mettait la patte sous yo dans la date mardi 28 novembre 2023, dans la zone, qui est les Anglais. Une localité qui est située dans la commune Saint-Louis du Sud. Bralvin avec toute information qui fait yo mettre la patte sous Malfia Sayo. Donc il a qui coronant corruption. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Comment nous y est? Est-ce que la PTB malheureusement notre la caouta, mais avec un pile intérêt, n'a pas cherché information Sayo, n'a pas poté le baou et puis nous parti comme ça. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Qu'est-ce qui passe dans le dossier Guy Philippe, mesdames, messieurs? Guy Philippe a plusieurs charges qui plantées contre lui-même, surtout dans quelques actions que j'étais posé dans l'année avant. Mais m'a dit que monsieur qui retrouve à l'heure actuelle nos difficultés. Pas oublier, tout doit Guy Philippe dans le DCPJ, la bouée de Mélan Léa. Il n'y a pas vraiment connu qui s'appelle. Deuxièmement, il n'y a pas de minoté Guy. Et notamment, Guy te comprenne, à force qu'il se Guy, yo pas arrêté parce qu'il se Guy, et li a gagné pour jouer une liberté bien rapide, donc pour le paraître comme un leader. Que lié. Ok. Mais qui ça qui pourrait poser problème, mesdames, mademoiselles et messieurs? C'est là que le premier enquêteur qui a parlé avec Guy, et qui a questionné Guy, lui dit Guy, qu'est-ce s'est-il passé en 2016 et en 2015? Qu'est-ce s'est-il passé en 2007? Qui ça a été joué comme rôle dans toute action ça yo? Alors moi m'babay problème yo, m'babay dat yo. Et ben Guy Philippe a tenté répondre, il dit en 2016 donc gagné juge Noël t'a demandé pour le Noël Augustin, t'a demandé pour le vini et notamment t'a allé et c'était un dossier qui était clore. À te dire vrai, mesdames, mademoiselles et messieurs, effectivement, c'était un dossier qui était déclore. Mais ça qui va le poser problème, mes frères et sœurs et amis, écoute attentivement, c'est là que je vais demander, monsieur, hein, côté casier ou gagné qui justifie que ou son monde qui est honnête dans la société, ou pas aucun problème.
Eh bien, mes frères et sœurs, amis, yo, monsieur retrouvé dans une situation côté que gen en pile difficulté. J'étais présenté un casier, bon, peut-être que gen plusieurs monde qui mettait le dehors. Donc yon casier jusqu'à présent, enquêteur yo pas dit qui pas bon, mais y a questionné jusqu'à présent puisque juge ça qui a été fait avis de ou bien de dire ça mandat de recommandation ça contre Guy Philippe. Monsieur pas dans système justice là encore. Donc son nèg yo t'a ressuscité. Mais qui ça va le passer pendant journée là ou bien qui ça va le passer pendant fin semaine là dans week-end là. C'est transféré Guy Philippe pour aller dans prison civile au CAI. Donc Guy Philippe ne sera pas un homme libre qui notamment pour aller l'autre bord à Cal Jean Vlé. Mais qui ça ne qu'attendre de ça? Oui, c'est Guy Philippe, monsieur qui a posé une action qui étonne tout le monde. Soit les monsieur Ivan Léa, il y a un mouvement fait. Soit rien bagaille. Mais comme ça tout, au cas où c'est même il y a besoin Guy Philippe qui doit écrire le chita. Il était très calme tout. Il va rien le faire. Les poser légèrement. Donc, mesdames, messieurs, les bras arrivés dans une situation côté que ça bras poser de grands problèmes et pas bon côté Guy Philippe si c'est comme ça le bras. Je suis désolé, mesdames, messieurs. Kounyan là, qui ça va attendre? Est-ce qu'on va attendre que la DCPJ pour libérer monsieur? Mais jusqu'à présent, m'a bien avec toute dernière information pour vous. Malheureusement, Guy Philippe ne sera pas libre. Donc, nous savons que pas son titan toujours et selon l'information que nous avons. La police dans le sud accompagnée des agents bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS et la DCPJ, était détachée dans le département ça. Ils ont procédé à l'arrestation la guerre. Loudi et Jean-Marie, tous les deux qui gagnent même l'âge, 39 récoltes café sous tête. Yo, mais ils ont appréhendé pendant l'opération qui fait mardi 28 novembre 2023 dans la zone Zanglais. Et une localité qui est située, mesdames, messieurs, dans la commune de Saint-Louis du Sud. Et bien, pendant l'opération, ils ont trouvé une quantité de 4,17 kg de paille sèche testée préliminairement positif à marijuana. Donc et au saisi yon arme à feu de type de type pistolet Mac École Fira calibre 9 mm de série EF et qui notamment gagne un numéro série et yo prend des cartouches qui saisi par même force de l'audio. Mais par ailleurs yon montant de 126 000 goudes et $159 américains, $150 jamaïcains et 2000 pesos dominicains yo retrouvé dans possession ou bien nan men individu sa yo. Toujours dans cadre opération ça, il y a 7 téléphones portables la police prend pour yo, il y a un véhicule Toyota, il y a un Forerunner de couleur grise qui immatriculé AA 51015, yo saisi pour yo deux motocyclettes, trois génératrices, yon réfrigérateur, et trois panneaux solaires, cinq batteries, yon inverter 100 watts, régulateur MPPV, et ventilateur bonbonne, moteur chaloupe de marque Mercury de capacité 40. Chef, 4 balances et yo prend yon télévision de couleur noire de marque Kobe et 2 speakers couleur noire yo joine la police confisqué pour moun sa yo, mais c'est juge de paix juridiction qui était fait poursuite yo. Madame sa ak monsieur a nan moment n'a parlé là, la police mette la patte sou yo. M pa pense a jam fè ça encore, même 4 électoral yo c'est ancien bagay. OK, m pa pense a jam fè ça encore, mais image yo j'en regarder là. Et bagay neuf, oui. Petit bagay récent. Oui. Y a deux machines, monsieur. Machine non sérieux. Va essayer. En tout cas, là, pour bonne nouvelle. Job là, y a fait job là longtemps. En tout cas. Al participer dans l'élection, jouk li te gagné un certificat.
cas et yo te même gétan remettre li CPA te même gétan remettre li certificat li qui dit bon ou c'est un sénateur qui est pour la grandance. Mais Guy Philippe te gétan inscrit. Guy Philippe te gétan inscrit dans élection les ça était Matelik te président. C'est vrai. Léo pral refaire élection te refaire inscription pour les candidats à la présidence. Et les ça c'est privé avec tes président. Donc Guy Philippe te gétan en grandance puisque il pas te reprocher Guy Philippe de rien certainement puisque il joue une casier judiciaire li. Mais selon en pile recherche moins fait pendant journée par le fait que yo gen doit poursuivre ou pourquoi condamner ou ka toujours gagner casier judiciaire là ou ka toujours baou li parce que pourquoi condamner par contre la police gen droit pas baou certificat de police là parce que la police li même gon côté li enregistré li dit ou t'es arrêté a dit capable baou certificat de police là même si ou ta fin ça reproche ou là li subi sanction li soit condamné ou bien ou libéré même si la police gen droit bon certificat li gen droit dit dans certificat de police là li gen droit mentionner pour dire mais pour qui ça ou t'arrêté ou mais par contre casier judiciaire là li pi fort que certificat de police là casier judiciaire là li pi fort que certificat de police là. Moi fait toute considération ça yo son façon puisque la justice dans Jérémy certainement te bay Guy Philippe un certificat pour aller pour aller participer dans élection parce que j'aime condamner Guy Philippe il pas que j'aime condamner c'est vrai ou toujours dit il y a plusieurs tentatives qui fait pour arrêter Guy Philippe mais on pas jamais arrêté lui et il pas jamais condamné. OK, il pas jamais arrêté et il pas jamais condamné dans juridiction Jérémy puisque Guy Philippe il fait pistel le 29 février 1968. Il pas jamais condamné dans Jérémy. Mais vous cantez la parole, ça qu'a fait la une tout matin, hein, c'est un mandat, c'est un mandat de comparution Radio Omega. Gain un juge qui relé son mandat de comparution, gain un juge qui relé Benny Noël. Qui t'aime dit nous mandat authentique. Ça nous est mandat de comparution, hein, li authentique. Benny Noël, li c'est un juge d'instruction dans juridiction des CAI, mais CSPJ t'a pas le mettre dehors. Ça dit Benny Noël pas dans système encore puisque CSPJ mettait le dehors. Qui ça mandat dit? Mandat dit nous mettre Benny Noël juge d'instruction dans juridiction CAI en vertu de réquisitoire d'informer commissaire du ministère public, le commissaire du gouvernement, et dans le téléphone de moi, le commissaire du gouvernement de ce ressort en date du 9 juin 2016, du 9 juin 2016, mandant et ordonnant à Guy Philippe Demirant à Pestel inculpé d'attaque armée contre la police, d'assassinat et tentative d'assassinat le 6 août 2016. Alors, il s'est fait reprocher là, il a demandé pour venir dans tribunal là, pour venir devant juge là le 6 août 2016 à 10h30 dans matin pour yo capable interroger li sous fait yo reprocher li qui c'est j'aime sou dit là tentative d'assassinat contre et qui fait que la loi li même li prévu et yo bay article là et puis juge la dit s'il pas vini yo capable décerner un mandat d'amener pour forcer le vini. Et il dit c'est article 30 77 code de description criminelle. Il fait dans date et il fait un petit problème là avec mandat. C'est effectivement j'ai capté le dossier et
peut-être c'est 16 août 2016. C'est on m'a dit que c'était 16 août 2016. Et le mandat lui-même, le mandat de comparution, il était fait dans date 10 août 2016. D'arriver et on monte des là nous vérifier et jour mardi 2016 là est-ce que c'est un bon date lit est-ce que c'est un bon dicté on m'a dicté 16 août 2016 et 10 août 2016 là pour nous garder besoin c'est ça m'a pas regarder mais c'est ça m'a dit nous c'est juge B Benny Noël c'est lui-même qui était juge qui t'a traité dossier ça et dossier qui t'est passé là son dossier on dit que t'est passé dans date 6 juin 2016 Lesa Jocelyne Privet est encore président et c'est presque il était même parlé de une tentative de coup d'état puisque Jocelyne Privet est dans sixième mois que accord février à Tebay que c'est six mois Jocelyne Privet doit faire dans pouvoir donc t'es une équipe qui t'es besoin qui t'es dit bon comme temps privé a fini c'est événement ça c'est des événements ça et a parlé mais certainement il t'a poursuivi et il t'a poursuivi et Guy Philippe t'a participé dans l'élection, il était inscrit longtemps. Donc ça veut dire il était dans l'élection, il était dans l'élection et pour arrêter Guy Philippe aller avec les États-Unis, c'est dans date 5 janvier 2017. 5 janvier 2017, c'est jour ça, l'Ital Bonset Sika qui confirme le sénateur de la République qui est élu, Jovenel Moïse te prend pas là 6 janvier, c'est la veille 6 février 2017. La veille, la prêté serment, et la veille, il était bailli, puisque je ne connais tout, Jovenel Moïse, il y a un dossier blanchiment, il crève tape menin, et sous lui-même, peut-être, c'est conseil électoral provisoire, tape tant de décisions de justice là pour te trancher. Mais là, t'es gain de tout. Ou pas le prêté serment, les 7, nous, on t'y paye gris les Haïti, les 6, ou qu'on a un bon certificat, ou pas qu'on a mais où, t'es gain tout doute. OK, ou te gen doit gen tout doute. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.